Hadith numéro 21, Abu Amr ou Abu Amra, Sufyan ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporte « Je demandais ô envoyé d'Allah, donne-moi sur l'islam un enseignement que je ne demanderai à personne d'autre que toi. » Il me répondit « Dis, je crois en Allah, puis fais preuve de rectitude. » Rapporté par Muslim. Hadith numéro 22, Abu Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari, radiallahu anhu, rapporte Un homme demanda à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Que dis-tu si j'accomplis les prières, jeûne le mois de Ramadan, respecte ce qui est licite, interdit ce qui est illicite, sans rien ajouter à cela. Entrerai-je au paradis ?»« Oui, répondit-il, rapporté par Muslim. » Hadith numéro 23. Selon Abu Malik, Al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La purification est la moitié de la foi. La formule « Alhamdulillah » emplit la balance des œuvres. Les formules « Subhanallah » et « Alhamdulillah » emplissent l'espace qui s'étend entre les cieux et la terre. La prière est une lumière, l'aumône une preuve, la patience une clarté et le Qur'an une preuve à ta charge ou à ta décharge. Tout homme s'affaire, ou bien il vend son âme et l'affranchit, ou bien il la condamne. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 24. Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhu a rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le tient de son seigneur, béni et exalté soit-il, « Ô mes serviteurs, je me suis interdit d'être injuste et j'ai interdit que vous pratiquiez l'injustice entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. » Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit comme de jour, et moi, je pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon, et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous chercheriez à me nuire ou à m'être utile que jamais vous ne réussiriez à le faire. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous étiez aussi pieux que l'est celui au cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous étiez aussi pervers que celui au cœur le plus pervers d'entre vous, cela n'enlèverait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous vous teniez dans un même lieu pour solliciter mes faveurs, et que j'ai accordé à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait pas non plus mon aura. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous vous teniez dans un même lieu pour solliciter mes faveurs, et que j'ai accordé à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait pas plus mon royaume qu'une aiguille retirée de l'océan n'entame l'océan. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres dont je tiendrai compte et pour lesquelles je vous rétribuerai. Donc, que celui qui trouve un bien rende grâce à Allah, quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 25. Selon Abu Dhar, radiallahu anhu, un groupe de gens dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô envoyé d'Allah, les gens riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous, jeûnent comme nous, mais en plus, ils font l'aumône avec le surplus de leur richesse. » Il répondit, « Et quoi ? Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône ?» Dire « Subhanallah, c'est une aumône. Allahu Akbar, c'est une aumône aussi. » Et de même « Alhamdulillah, la ilaha illallah. » Ordonner le convenable, c'est une aumône. Condamner le blâmable, c'est une aumône. Chaque fois que vous faites œuvre de chair, vous faites une aumône. Ils s'écrièrent alors « Comment envoyer d'Allah ? Chacun de nous satisferait ses appétits charnels et mériterait par là une rétribution ?» Il répondit « Dites-moi, celui qui assouvit ses appétits charnels de façon illicite ne se charge-t-il pas d'un péché ? Eh bien, il en est de même de celui qui les satisfait de façon licite, il obtient pour cela une rétribution. » Rapporté par Muslim. Hadith numéro 26. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque jour où le soleil se lève, l'homme doit faire l'aumône pour chacune de ses articulations. » Juger équitablement entre deux personnes, c'est une aumône. Aider autrui à monter sa bête et à la charger, c'est une aumône.
Dire la bonne parole, c'est une aumône aussi. Chaque pas accompli en vue de se rendre à la prière, c'est une aumône. De même côté du chemin tout objet nuisible, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 27. Al-Nawas ibn Sa'man rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vertu est la somme des bonnes qualités, et le péché, c'est ce qui trouble ton âme et qu'il te répugnerait de voir porter à la connaissance des gens. » Rapporté par Muslim. Wa'abisa ibn Ma'bad radiallahu anhu a dit « J'allais voir l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il me dit « Tu viens me questionner au sujet de la vertu. » « Oui, répondis-je. » Et il reprit « Interroge ton cœur. La vertu, c'est ce qui procure à l'âme et au cœur apaisement et tranquillité. Le péché, c'est ce qui trouble l'âme et engendre le doute au sein de l'homme, et ceci malgré toutes les consultations que l'on pourrait te donner. » Rapporté par Ibn Hanbal et Ad-Darimi dans leurs mustad respectifs. Hadith numéro 28. Abu Najih al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu raconte Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous adressa une exhortation si poignante qu'elle mit les cœurs en émoi et fit monter les larmes aux yeux. Nous dîmes « Ô envoyé d'Allah, cette exhortation ressemble fort à un discours d'adieu. Nous sollicitons donc une recommandation de ta part. » Il répondit « Je vous recommande de vous prémunir envers Allah, d'écouter vos chefs et de leur obéir. Quand même, celui qui vous commande serait un esclave. Celui d'entre vous qui me survivra verra beaucoup de discorde. » Tenez-vous-en à ma sunna et à celle de mes successeurs éclairés et bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et gardez-vous des innovations, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi qui le qualifie de Hassan. Hadith numéro 29. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, a dit « Je demandais, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne de l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Certes, tu m'as demandé une chose grave, mais elle sera facilitée pour celui à qui Allah le Très-Haut facilite la tâche. Adore Allah sans rien lui associer. Accomplis la prière, acquitte l'aumône légale, jeûne durant le mois de Ramadan, accomplis le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la possibilité. » Puis le prophète poursuivit sallallahu alayhi wa sallam « T'indiquerai-je les portes du bien ? Le jeûne est un bouclier, l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. » L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, la prière de l'homme au milieu de la nuit. Ensuite, il récita le verset, leurs flancs se détachent de leur couche, jusqu'au mot de ce qu'ils pratiquaient. Puis il reprit, t'informerai-je de la partie principale de cette affaire, de sa colonne et l'extrémité de son sommet ? Oui, envoyé d'Allah, répondis-je. Il me dit, la partie principale de cette affaire, c'est la soumission à Allah, l'islam. Sa colonne, c'est la prière, et l'extrémité de son sommet, le combat sur la voie d'Allah. Il ajouta, t'informerai-je de ce qui soutient tout cela ? Oui, ô envoyé d'Allah, répondis-je. Il saisit alors sa propre langue et dit, garde-toi de celle-là. Je lui dis, ô envoyé d'Allah, serons-nous repris pour ce que nous avons dit ? Il me répondit, malheureux, littéralement, que ta mère soit privée de toi ou que ta mère te perde. Et est-ce que les gens tombent dans le feu, face en avant ou sur leur nez, pour autre chose que ce que récolte leur langue ? Rapporté par At-Tirmidhi, qui le qualifie de Hassan. Hadith numéro 30. Abu Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashib radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah, qu'il soit exalté, a prescrit des obligations. Ne les négligez pas. Il a établi des limites, ne les outrepassez pas. Il a interdit certaines choses, ne les transgressez pas. Il s'est tué au sujet de certaines choses par miséricorde et non par omission. Ne cherchez pas à les connaître. » Hadith Hassan, rapporté par Dar al-Qutni et d'autres.